Et salut à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour déjà l'épisode 14 de Capi dans le Jurassique. Donc la fin de la saison approche de plus en plus, hein. Il ne reste plus grand chose comme dinosaure à faire. Merde, je me casse les jambes pour commencer, tout va bien, on va enlever tout ça. Puisque ce qu'on a essayé de faire à l'épisode d'avant c'était un gros fail, et ben on va laisser ça comme ça, c'est bien joli. Et aujourd'hui j'ai regardé donc vos votes et ce qui était choisi le plus c'était le Nautilus. Donc on va faire en fait je vais faire les deux en fait parce que le Nautilus, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. C'est vraiment un tout petit bazar qui ressemble à rien. Voilà. Donc ça va être un épisode assez rapide. Voilà, c'est ça un Nautilus. Donc en fait, pourquoi je vais faire le Mosasaur et le Nautilus en même temps? C'est parce qu'en fait, le Mosasaur a besoin de Nautilus pour se nourrir et pour grandir. Donc on va en profiter, on va faire deux dinosaures d'un coup. Ce qu'on va faire, on va faire un énorme aquarium ici, jusque à peu près les cactus. Donc, on va commencer par prendre un coin là. Et on va aller jusque là-bas. Voilà. Alors on va faire slash slash expand. On va faire quoi? 10. Non, 8. Merde, c'est l'inverse. Je vais y arriver. Voilà. On va faire des murs en fer slash slash walls. Ah non. Attendez, je vais faire en fer. Mais après je vais enlever, je vais mettre plutôt des vitres. C'est plus facile pour vous parce qu'au moins on verra le dinosaure de l'extérieur. Donc slash slash walls 20. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va remplacer l'air. Donc tout ce qu'il y a là-dedans par de l'eau. Ouais, ça que je lâche, replace 0 par 8. Et normalement, il y a plein de blocs d'eau qui vont s'ajouter. Et voilà, on a notre aquarium qui est fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller faire un peu de la plongée sous-marine. Et on va... Où est-ce qu'elle est? Là. On va se mettre en créative et on va aller illuminer les fonds marins. Par contre, je vais voir si on peut pas augmenter un peu la luminosité parce qu'on voit vraiment rien. Voilà, donc si moi je vois déjà rien, vous, ça doit être assez exceptionnel. Ce que ça donne. Ouais, donc en fait il n'y a rien. Alors c'est combien ça? On va remplacer le sable par de la glowstone, ça ira plus vite. Replace le sable, c'est 10 par 89. Non, le sable c'est pas 10. C'est combien le sable? Ah non, c'est 12. 12, 89. Et voilà. On a les fonds marins bien éclairés. Bon, je suis d'accord de dire que c'est pas très joli joli. Mais c'est pas dérangeant. Non, ça va. Alors, on va faire spawn.
Spawn Mosasaurus. Non, c'est plus, je sais plus comment ça s'écrit. Alors, on va chercher l'œuf pour voir comment ça s'écrit. Il est il est devant mes yeux là. Mosasaurus slash spawn Mosa, non, Mosa, Mosasaurus. Voilà, il est là. On va prendre l'essence de chicken qui est quelque part ici. Faut juste que je la trouve parce que lui il est assez grand en fait. Théo, viens là. Voilà, je crois que c'est le maximal. Et maintenant, pour sa bouffe, on va lui mettre des Nautilus. Bon, on va en faire spawn, je sais pas moi, 200. Allez, slash spawn Nautilus. Allez, 100. Et voilà. Il y a plein de Nautilus. Tadam. Est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un capuchon. Qu'est-ce qu'un capuchon? Vous allez voir. C'est juste pour que ce soit un peu plus joli parce que sinon on sera pas vraiment foulé pour cet épisode-ci, mais bon. En même temps, c'est un aquarium, hein, à part de la flotte, on sait pas mettre grand-chose. Donc on prend ça. Où est-ce que c'est les haches en bois. Voilà. On retire les créatives. Et on va aller sélectionner notre capuchon de l'autre côté. Slash slash walls. Merde. Slash slash walls 42. Et voilà, on a un petit capuchon. On va remettre le créatif sinon on va s'exploser par terre. On reprend notre petite hache. Et on va se laisser ici pour cet épisode. Donc avant que vous partiez, je vais vite vous remontrer les dinosaures qui restent. Donc alors le plésiosaure, le stégosaure et le dilophosaure. Allez, n'oubliez pas le dilophosaure, le stégosaure ou le plésiosaure. Donc n'oubliez toujours pas. Je vous rappelle parce qu'il y en a qui savent peut-être pas, ils prennent peut-être la série en cours. Il suffit de mettre un commentaire avec le nom du dinosaure que vous voulez voir dans le prochain épisode. Donc on va faire l'enclos d'un de ces trois dinosaures là. Et la fin de la saison approche de plus en plus. Et vous inquiétez pas, dès que la saison sera terminée, il y a déjà quelque chose de prévu qui va être assez énorme, vous inquiétez pas. Donc j'espère que vous allez apprécier. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut à tous!